Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite information qui sera donc dédiée sur Eden Zero, étant donné qu'on vient d'avoir des informations tout frais, donc du Tokyo Game Show tout simplement, et donc on a eu des informations par rapport à l'animé de Fairy Tail, enfin de l'animé de Eden Zero qui sortirait donc début printemps 2021, donc à ce qui paraît, de ce que j'ai cru voir, ce serait au mois d'avril, on aurait l'animé de Eden Zero, mais on a aussi surtout deux jeux de prévu de Eden Zero, donc c'est un truc de fou quand même, mine de rien. Je vois que Mashima était donc, pendant cette réunion, il était pendant la conférence, donc ils ont prévu un jeu sur console, en fait, sur console. Alors ils n'ont pas encore annoncé les consoles, mais je pense que ça sera comme la dernière fois sur le jeu de Fairy Tail, donc qui serait donc PS4, Switch je crois, et PC certainement. Avant de vous en parler tout de suite, je vais juste vous mettre le trailer tout de suite du jeu, donc c'est parti. Donc, dans les petites informations qui sont sorties, on aurait donc le jeu forcément de Eden Zero, comme vous avez pu voir le trailer, donc c'est vraiment que tout début, hein, qui a été fait par Konami. Donc, on aurait un jeu RPG qui serait surtout situé un petit peu comme ce qu'ils avaient fait sur Fairy Tail, donc ce sera des autres développeurs. Mais on aurait surtout un truc misé sur l'action, on pourrait se balader en volant, parce que du coup forcément, si vous connaissez pas l'univers de Eden Zero, Shiki a le pouvoir de la gravité, mais du coup... on aurait tout ça, on pourrait se balader, on aurait pas mal de trucs. Alors pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça. Mais concernant du coup le deuxième jeu, c'est un jeu qui sera sur mobile, qui donc aura une vue un peu de dessus, où je mettrai on aurait une vue de dessus où on pourra se déplacer avec notre personnage et donc certains personnages. Peut-être qu'on pourra switcher, mais j'ai vu qu'on avait une barre de compétences style pour les RPG, on pourra se battre contre des boss et tout ça. Je vous mettrai donc les captures d'écran qui ont été mises en même temps, ça a l'air plutôt sympa. Et franchement, bah il y a quand même beaucoup de trucs qui sont annoncés. Je pensais pas qu'il annoncerait quand même deux jeux, surtout que bon, Fairy Tail est sorti il y a pas si longtemps que ça, et bon, il a plutôt bien marché, même si c'est pas un truc de dingue, c'est surtout au niveau des votes, hein, qui sont plutôt équilibrés ou quoi. Mais en vrai, bah, j'ai beaucoup d'attention sur celui de téléphone, je pense, parce que celui de la console, graphiquement, bon, c'est pas la folie, hein, on le savait. Par contre, même si je trouve que le vaisseau est ultra stylé, j'espère aussi que sur celui sur console, on pourra se déplacer dans le vaisseau et voyager, ça pourrait être vraiment très intéressant, je pense. Mais en tout cas, donc, on n'a pas non plus d'informations sur savoir quand est-ce que... Enfin, jusqu'où ça va, tout simplement. Et on a eu aussi des informations pour les seiyuu, donc les seiyuu qui seront disponibles pour l'animé. Il nous a montré d'ailleurs aussi des grands shikishi, je pense que ce seront des costumes qui seront disponibles dans le jeu. Mais du coup, moi j'avoue que j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ces petits jeux. D'ailleurs, en plus, normalement d'ici là, j'aurai la fibre, donc ça sera vraiment nickel. En tout cas, voilà, je voulais juste vous partager ces petites informations sur l'animé et les jeux. Donc j'espère en tout cas que cela vous aura plus. Si vous êtes impatient comme moi, on se retrouvera donc pour de nouvelles aventures sur les jeux vidéo. Donc je vous dis d'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde.